je vais vous parler d'un de mes coups de cœur de cette fin d'automne, le livre d'Olivier Noret, Impact, que j'ai trouvé génial. On suit le commandant Virgile Solal qui est sur la route des oléoducs dans le delta du Niger, au Nigeria. C'est écrasé par le soleil, il y a du pétrole partout, les sols sont empoisonnés. Vraiment, cette zone est totalement envahie et infestée par toute l'exploitation pétrolière qui empoisonne tout ce lieu de vie. Et donc, le commandant Virgile Solal doit rapatrier une humanitaire qui travaille pour Amnesty International et qui essaye un petit peu de soulever tous les problèmes que l'industrie pétrolière engendre là-bas. Donc il fait ce travail où il découvre des choses assez horribles. Quand par exemple il parle avec cet humanitaire, il apprend que l'espérance de vie dans cette zone est de 40 ans. Voilà, donc suite à ça, on apprend qu'il est très content, il sait qu'il va pouvoir rentrer en France, il va arrêter enfin ses missions à l'étranger et il va rentrer en France pour avoir une vie plus calme car il va avoir une petite fille, donc il est très heureux. Seulement voilà, juste après l'accouchement, sa petite fille décède. Ensuite, le roman se passe 2 ans plus tard, on suit une psychologue, Diane Meyer, qui est appelée par la police pour travailler avec eux parce que le patron de Total, le PDG, vient d'être kidnappé. Et le kidnappeur pense que Total et d'autres industries, d'autres grandes entreprises sont en fait les gangrènent la société et détruisent la planète. Voilà, ça part de là. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisserai découvrir ce roman policier qui va vraiment vous tenir en haleine.